Calor, mi amor, que calor. Vu de la prochaine vidéo coiffure qui va arriver où on va tenter des petits trucs inédits, je prends excessivement soin de mes cheveux et j'ai découvert l'huile de noisette. Je sais pas, Safi, mais c'est bien. L'huile de noisette, mon gars. Déjà, quand tu la mets, tu vois, les cheveux, ils sont tout doux de ouf. Et après, quand tu rinces et que tu sèches tes cheveux, déjà, c'est pas comme l'huile de ricin, c'est pas galère et tout. Mais alors après, tes cheveux sont d'une douceur. Et comme tu le sais, si tu me suis sur mon Instagram, je suis fourrée quasi tous les jours à la piscina. Il faut que je m'occupe de mes cheveux. Sinon, en août, fin août, il n'y aura pas de vidéo Cabellos. Je vais te montrer tout de suite les deux articles qui vont faire l'objet d'une prochaine vidéo. Des faux ongles. Alors attention, j'ai pas pris le petit ongle, tu vois, non, j'y suis allée, j'ai pris les faux ongles. Alors j'avais vu dans une des vidéos de Tu regrettes ta coupe de Playmobil, Nat, si tu passes par là, je te fais un bisou, qu'a priori les ongles chines, peut-être qu'ils tenaient pas trop. Donc bah, écoute, on va tester tout ça, pas aujourd'hui, mais dans une prochaine vidéo. Tu vois, c'est des pads comme ça que tu colles sur ton ongle et après tu colles l'ongle. Voilà. Et je me suis pris des petits roses Barbie. J'en ai testé un, franchement, en l'ouvrant tout à l'heure, je me suis dit, attends, ça va être... What? Vraiment? Bon, c'est pas des trucs que je mettrais pour aller au boulot, hein, je te le dis direct. Tu vois, je croyais que ça allait être hyper grand et en fait, ça va, tu vois. J'avais vraiment envie de grands ongles comme ça. Le rose, je le trouve super joli. Et puis bon, avec la bronzance, tu vois, ça va très bien avec la bronzance. On va tester ensemble, bien évidemment, parce que ça, c'est trop inédit. En ce moment, je suis à fond dans les faux ongles. Genre, je regarde des vidéos sur YouTube de poses d'ongles en gel dans les instituts. C'est une palette, je me suis déjà maquillée avec et franchement, je l'adore. Alors, je ne suis pas du tout une pro. Franchement, j'ai utilisé 4 fards et j'avais l'impression d'en avoir qu'un seul à la fin. Oh putain, elle m'a saoulé le packaging là. J'ai tout arraché. Voilà, merci. Il fait chaud, je n'ai pas de patience. C'est la Shiglam Beach Sunset. C'est des palettes qui sont cruelty free. Voilà. T'as des mats, t'as des irisés, t'as des pailletés. Franchement, celui-ci, il est canon. Celui-ci, il est canon. J'adore. Voilà. Donc, j'avais envie de make-up en ce moment, j'ai testé. Je me suis maquillée, pimpée ma mémé la chèvre avec cette palette. Franchement, j'avais fait un joli truc et tout pour aller faire quoi? Je me suis maquillée pour aller nettoyer ma porte de garage. Prochaine vidéo avec un test de ces deux magnifiques trouvailles chi-inès. J'ai actuellement cet arbre à biberon qui me sert, moi, d'arbre à gourde maintenant. Que j'ai depuis, je l'avais acheté pour la naissance de mon fils, qui a 9 ans actuellement. Donc ça doit faire presque 10 ans que j'ai ce truc. Comme j'ai en prévision, mais bon je te spoil pas trop, mais comme j'ai en prévision de refaire ma cuisine, je voulais un truc en bois. Bon, il est petit tout, il est très petit. Je le voyais plus grand, mais j'arrête avec l'accent du sud. Oh, ouais, il n'y a que 2 bâtons à rentrer dans les trous, mais j'y arrive pas, regarde, tu vois. Je vais me rentrer ça dans l'œil, tu vas voir. Voilà. Ah, faut pas me chauffer avec le bricolage et les travaux en ce moment. Depuis que j'ai réparé mon rideau roulant toute seule, je ne me sens plus. Ça tient. Bon, écoute, c'est un peu bancal. Ça va être de... Ah, il y a une pellicule dessus. Ça va être de en attendant de trouver un égouttoir en bois mieux. Voilà. De jouets d'enfants. On a trouvé des petites pépites quand même sur Shein. Un petit kit comme ça, de fruits en bois à découper, avec une planche à découper, un couteau en bois. Ça, sur Oxibul, je l'avais vu, mais super cher. Et là, bon, t'as la petite truc en plastique comme ça, la petite planche en bois, le petit couteau. Et regarde, t'as une petite fraise, hop, donc le petit coupe, tu vois, ça fait le bruit comme ça. Et à l'intérieur, tu as bah, des petits scratchs. T'as, moi je dis que c'est une pomme. Ma fille, elle dit que c'est quoi? Un kiwi? Un kiwi. Un kiwi, je crois qu'elle a raison. Un champignon. Un champignon, voilà. Ça c'est quoi? Une pomme avec des quoi? Moi je dis que c'est une pêche, ça. C'est une pêche. Hop. C'est de bonne qualité, hein. Franchement. Une orange. Et... Un orange. Une orange. Et ça part à la carte.
Et il y a celui-ci, mais je l'ai mis à l'écart là parce que ma fille elle le déteste. C'est un maïs. Et depuis qu'elle l'a sorti de la petite boîte là, elle a envie de le foutre à la poubelle. Donc je sais pas pourquoi elle l'aime pas. Et voilà. Hop! Petite non, boîte. Pas le maïs, non. Ah bah attends, je te l'enlève le maïs. Petite boîte avec tous les accessoires et ça, elle s'éclate avec. Deuxième jeu qu'on lui a pris, et alors ça, quand elle a ouvert le carton, elle a hurlé tellement qu'elle était contente. Ah oui, c'est une lampe. Ouais, c'est... et à l'intérieur, t'as tout ça, tout un petit set. Et tada! Donc alors, là, tu as les petits accessoires. Donc ça, par contre, c'est en plastique. Et bien, une coupe de pizza. Voilà. Ah, il y a un truc. Attends. Il y a un truc pour couper les pizzas? Ouais, regarde. Ah oui. T'as la rondelle pour couper les pizzas. Le petit truc pour couper les légumes. Les passoires, les spatules. Même pour les spaghettis. Même pour les spaghettis. Je ne sais pas comment elle connaît tout ça parce que ça, c'est des trucs que j'ai pas chez moi. Mais ma fille, elle est passionnée de cuisine. Mais non, maman. Donc elle adore. Voilà, les petits accessoires. Ça, c'est pas un... Ah, c'est ça pour les spaghettis! C'était celui-là pour les spaghettis. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Une rose pour un café. C'est pour servir le café? Ouais. Une petite. Un petit faitout, une petite casserole, une petite poêle. C'est pour faire du poulet. C'est pour faire cuire le poulet? Ouais. Ici, on a une cuquette minute. C'est pour faire des pâtes. Les spaghettis. Et ça, c'est pour la soupe. Ça, c'est pour la soupe. Ça, c'est pour la soupe. Une autre petite casserole. Et le truc, voilà, qui marche à pile. Ça fait le bruit fry, hot pot, cook, boil, start, pause, on, off. Voilà. Et là, ça devient rouge et tout. J'adore. Ensuite, le dernier article que j'ai trouvé pour Maria Carré, c'est un petit cartable pour sa rentrée. Donc j'en avais trouvé un en forme de fusée, mais il était en rupture de stock, j'étais au bout de ma life. Mais j'ai trouvé celui-ci, qui est bien, qui a une grande contenance, donc une grande poche là. Et ici c'est en rigide, voilà, comme elle aime bien, pas de patrouille et les trucs comme ça. Voilà, avec une petite queue. J'avais trouvé des toupies pour mon grand assistant, mais rupture de stock. Ah si, j'avais trouvé un autre truc pour ma petite assistante. Tellement pas cher, je pensais que ça allait vraiment être envoyé, tu vois, en tant que toc, tu vois, mais pas du tout. J'ai reçu ça dans un étui, franchement, on dirait du cuir. Donc, c'est du santé toc, hein, bien évidemment, mais c'est hyper quali, franchement. Petite lunette summer. Des paillettes, forme de cœur, petit cœur ici. Écoute, avec mes ongles, j'ai presque envie de les prendre pour moi. J'adore. Petite lampe LED en glace. Donc tu vois, la LED, elle est super grosse. Elle est molle un petit peu. Donc c'est pas les trucs qui vont se casser, je pense. Ça marche à pile. Je vais cet après-midi faire les fournitures scolaires de mon fils. Je n'y suis pas allée avant. Mais voilà, ça marche avec trois piles AA classiques. Et ils ont plein de trucs. Ils avaient plus l'arc-en-ciel. J'étais au bout. Mais voilà, ça donne ça pour la glace. Ils en ont plein de modèles. J'adore. Franchement, les cadeaux que tu peux faire sur ce site, moi j'aime trop. Juste, tu t'y prends un petit peu à l'avance. Tu comptes, voilà, je sais pas moi, si t'as un cadeau à faire, et ben un mois avant, tu commandes. Comme ça, t'es sûr de pouvoir recevoir. Ensuite, pour mon iPad, j'ai commandé une petite coque. Donc là, je l'ai enlevée parce que je filme avec, mais pour te montrer, tu vois. Et voilà, ça elle se met comme ça. Très bien, il protège très bien. Moi, j'ai un iPad mini 3 et il va très bien là-dedans. Et il est rose. Ensuite, j'ai pris un petit accessoire pour mon mec qui regarde souvent son téléphone dans le lit le soir. Je lui ai pris ça. Alors ça, j'avais vu passer sur Facebook, des pubs Facebook là-dessus. Là. Tu mets ton téléphone et ça projette en fait sur un écran et après, bah, ça te fait en fait ce qu'il y a sur ton écran, sur le grand écran. Ah! Voilà, donc là, t'as le petit truc avec le petit rebord pour caler ton tel. Oui, je me suis mis une vidéo de moi, hein, tu m'en voudras pas. Voilà, tu vois en grand. C'est cool, hein? Trop bien. Franchement, j'aime trop. C'est trop bien. Mon fils, il vient de me le perquisitionner, donc voilà, j'adore. Accessoires encore? Oui, j'ai fait le plein d'accessoires. En fait, je t'explique, mon fils est en train de se laisser pousser les cheveux. Et il a les cheveux, mais méga épais.
Et du coup, quand il se laisse pousser les cheveux et tout, tu sais, pour éviter d'aller chez ma coiffeuse tous les 3 jours, comme ses cheveux poussent super vite, que j'ai vu ça là. C'est le truc qui désépaissit la masse. Il y a un peigne à queue, hop, aïe, j'avais mal. Des ciseaux crantés, ça c'est génial aussi. Des ciseaux, faut faire gaffe, tu vois, il y a une lame, hop. Et pour avoir commandé des trucs avec des lames sur Shein, notamment un truc pour couper les pommes de terre, je peux te dire que leurs lames, elles sont aiguisées, aiguisées. Petit kit qui jamais, au grand jamais, ne remplacera ma magnifique et précieuse coiffeuse. Mais voilà, en entretien. Ensuite, pour vadrouiller l'été et pour vadrouiller tout court, parce que de plus en plus, je me rends compte que, tu vois, j'enlève des sacs. J'ai mon sac à dos, tu sais, en jean que j'adore, qui était le sac allongé de ma petite sœur. J'ai ce sac là où je mets tout mon bordel et je me rends compte que de plus en plus, en fait, je sors avec ça, avec le sac de ma fille, parce qu'il est petit et il est pratique, tu vois. Je te mens pas, regarde, il y a mon portefeuille et tout dedans. Je me suis dit, attends, prends un truc, pas le sac abeille, qui soit pratique, qui soit joli et qui soit petit. La banane, point rose, rose pâle, et j'adore. Et alors ça, attends, si ça rentre dans le sac à abeilles, on va rentrer là-dedans. Oui, mais bien sûr que oui, ça rentre. Hop, tu vois, et ça. Eh ben, en avant, bien grand, tu vois. Elle est trop bien, là, tu mets ta monnaie. Oh, j'aime trop. Des petites tatanes. Parce que les autres tatanes, elles étaient magnifiques, mais elles étaient trop petites, en fait. Elles me faisaient mal, elles me faisaient un peu mal ici, là. Et elles étaient trop petites, du coup, mon talon, il... Enfin voilà, il était pas, elle n'était pas à confort. Et du coup, j'ai pris celle-ci. J'adore. Et là, tu vois, c'est des lanières vraiment en souple. Tu vois, j'aime trop. Voilà, je les aime trop. Elles sont trop belles. Et là, la taille nickel. J'aurais même pu prendre 39, tu vois, histoire d'être vraiment à l'aise. Mais bon, 38, c'est parfait, pile poil. Et je les aime trop. Et là, tu vois, ça fait pas mal sur les côtés parce que c'est bien souple. Je les adore. Mon mec s'est pris un pantalon, genre les pantalons, les chinos, tu vois. On dirait qu'il est en lin, il est en coton. Hein. Je pense à être coton polyester. 95%, 5%, 95% coton, 5% polyester. On dirait un pantalon en lin gris. Il est super joli, hyper léger. Voilà. Deuxième pantalon avec poche un peu esprit militaire. Hop, couleur camel. Des fausses poches derrière, mais vraie poche devant. C'est le pantalon qui représente mon mec. Tu vois, s'il devait se transformer en quelque chose, ce serait en pantalon cargo, je pense. Et en bas, et il est bien, il est super bien. Quelle taille il a pris? Et c'est 95% coton, 5% polyester. Voilà, j'aime beaucoup la couleur. Ça, c'est des pantalons, il en a plein. Je crois qu'il a toutes les couleurs de chez Shein. Il les met tout le temps, ils sont de super bonne qualité. Rien à dire. Il s'est pris des t-shirts. Celui-ci, No et Yes. Donc, sachant que c'est lui qui choisit les t-shirts, mais on les met tous les deux. Très jolis. Ils sont simples, mais ils sont d'une super bonne qualité, hyper résistants. Quand c'est l'été... Bien évidemment, je ne passe pas au sèche-linge. Mais l'hiver, je les passe au sèche-linge et tout. Et ils bougent pas, quoi. Ils rétrécissent pas. Le flocage de devant se barre pas. Non, franchement, cool. Oui, et c'est vraiment matière t-shirt, là. Il n'y a pas de t-shirt maillot de foot et tout. Non, c'est la même coupe que l'autre. Avec un astronaute. J'adore! Et il s'est pris un truc, alors moi je suis pas du tout pour ça parce que il s'est pris une ceinture de sudation. Moi, je la montre, je comprends pas trop le principe de ces trucs où faut transpirer quand tu fais du sport et tout. Parce que après le sport, tu bois et la transpiration que t'as éliminée, tu rebois donc l'eau elle revient. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi ces ceintures de sudation, je me rappelle quand j'étais petite, mon beau-père il avait un caleçon de sudation comme ça. Et je l'avais mis une fois et effectivement, franchement, ça te fait transpirer ta race. Mais je vois pas en quoi ça peut te faire perdre du poids ou perdre de la circonférence abdominale, puisque c'est de l'eau. Ton corps est constitué d'eau. Si tu bois de l'eau, après, tu vas reprendre, quoi.
Juste ça tient chaud. Voilà. Donc c'est une ceinture. Par contre, alors le truc qui est génial là pour le coup, c'est que ça maintient le dos de malade. Ah ouais, ça pour faire des travaux et tout. Genre ça tient le dos. Ça fait du bien, je te jure. Franchement, ça fait du bien. Oh, j'ai senti mes lombaires qui me disaient merci. Bah attends. Ah, je te jure, je les mets, ça me fait du bien au dos. Je sens là. Ça me fait trop du bien. Ça, c'est mon mec qui va le mettre quand il va courir. Il met ça sous son t-shirt. Mais effectivement, tu sens que ça tient chaud de suite. Donc, c'est un système de scratch. Voilà, donc il n'y a pas de taille, tu vois. Et là, à l'intérieur, c'est comme ça. Un peu tapis de yoga, tu vois. Néoprène un peu. Ouais, néoprène. Et là, tu peux mettre ton téléphone pour aller courir. Voilà, ça, alors je sais qu'il va être ravi, mais... À chaque fois, c'est un débat entre nous quand on parle de ces ceintures de sudation, parce que ça fait des semaines qu'il me tanne pour que je lui en prenne une. Et ça fait des semaines que je lui dis, mais ça sert à quoi? Tu transpires, tu bois un verre d'eau, l'eau, elle revient, tu vois. Et enfin, on n'a pas du tout les mêmes arguments, donc on se prend la tête. Donc il a sa ceinture, il va transpirer, ça sera très bien. Pour le faire chier, je l'ai pris en rose quand même. Ah la peste! La matière, mon gars, on dirait un peu du rayon. Ou du rayon, c'est ça que tu m'as dit, Lisette? Je sais pas la prononciation. Mais du rayon. Mais non, en fait, là, c'est 65% coton, 35% polyester. Franchement, la beauté du truc, j'adore. Alors déjà, moi, ça, les couleurs nude, camel, j'adore. Ça se voit. Hein. Mais quand t'es bronzée et tu vois les petits trucs fluides comme ça, là, putain, c'est trop ma vie. Là, t'es bien, t'es style, mais en même temps... T'es méga confort, mon gars. Donc voilà. Hop, avec les petites tatanes dorées. Tu vois, petit bronzage. Bon, et ben ça va avec. Tu vois. Je préfère les cols droits, mais bon, là, je sais pas ce qu'ils ont fait comme fantaisie, mais ça peut être une petite fantaisie. Pars à la salle de jeu. Parfait. En pyjama ou en truc de tous les jours, qu'est-ce que vous en dites? En truc de tous les jours aussi, ça marche. Hein. Non, mais regarde, avec le bronzage aussi, tu vois. C'est pas que dans ma tête. Ça, c'est le genre de truc que je pourrais les avoir dans toutes les couleurs. J'aime trop. J'aime trop. Et il y avait dans toutes les couleurs. Il y avait parme, il y avait gris, il y avait crème, il y avait camel comme ça. Et nous avons un deuxième ensemble. Alors là, c'est un pantalon long. Là, à mon avis, lui, il va être méga long parce que là, on dirait qu'il fait ma taille presque. Je fais 1m64. J'ai tout pris en L. Moi, franchement, voilà, c'est grand, mais hors de question que je sois serrée dans quoi que ce soit, je te l'ai déjà dit. J'aurais pu mettre ça en slogan de la chaîne. Hors de question d'être serrée dans quoi que ce soit. Ma passion. Alors ça, je me demande si c'est pas du rayon, par contre. J'ai pas pris en L, ça, j'ai pris en M. Si, c'est du rayon. Mais oui, parce qu'il me semblait qu'à un moment, dans ma commande Shein, j'avais tapé dans la barre de recherche rayon. Et que ça m'avait sorti cet ensemble. Je m'étais pas posé plus de questions que ça, je l'avais pris direct. Ça, c'est le genre de t-shirt, tu vois, que t'as à Zara un peu. Que tu mets avec tout. Avec un jean ou machin. Et cet ensemble. Mais ça, tu peux faire le tour du monde avec ça, vraiment. Tellement que tu es à l'aise dedans. Ça mérite, tu vois, de le voir de plus près. J'adore. Regarde, le t-shirt, il est super bien coupé. La matière, elle est géniale. Et celui-là, encore une fois, c'était, il était dans toutes les couleurs. Et je crois que je vais le prendre dans toutes les couleurs. C'est stylé quand même comme ensemble, je trouve. Tu peux mettre ça dans la vie de tous les jours, non? Tu le mettrais en pyjama, toi? Moi, je trouve pas. J'aime trop. Oh. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a donné des idées. Je voulais te montrer un petit peu que sur Shein, t'as vraiment de tout. Ça va du make-up, aux ongles, aux accessoires, aux ciseaux, aux trucs informatiques un petit peu. Des trucs pour mecs, des trucs pour enfants, des trucs pour femmes. Il y a vraiment de tout. De la déco en appart, vraiment, j'ai trouvé plein de pépites sur ce site. Voilà, s'il y a des trucs qui t'ont plu, ben, je te laisse aller voir en barre d'infos. Je vais essayer de pas chier dans la colle comme la dernière vidéo Shein. Et puis voilà. Dis-moi après cette vidéo de quoi t'as envie maintenant. Qu'est-ce que tu as envie de commander sur Shein? Dis-moi, s'il te plaît, ça m'intéresse trop. J'aime trop savoir ce que, tu vois, l'envie des gens du moment. Bon, je vais aller faire les fournitures scolaires. Je te laisse.